Amiraux, et bien en guise de préambule en fait aux deux épisodes qui vont suivre, je voulais vous présenter le République, puisque on m'avait posé la question à un moment de savoir comment j'ai monté mon capitaine de République et qu'est-ce qui le rend aussi puissant. Il le rend pas aussi puissant que ça, c'est toujours le joueur qui rend un navire puissant, hein, c'est toujours sa compétence. Mais il est vrai qu'un capitaine bien monté, enfin, je veux dire, avec de bonnes compétences, excusez-moi, terme à double sens, donc un capitaine qui a de bonnes compétences peut arriver à donner un gros avantage donc, au navire. Alors, moi, j'ai un capitaine qui s'appelle Olivier Fleury, il a 803 000 points d'expérience, enfin, le navire a 803 000, alors, Olivier Fleury a plus d'expérience parce que je l'ai fait venir, je pense, de l'Alsace, et l'Alsace, j'ai fait venir du Richelieu, etc., etc. Sachant que j'ai mis quand même des capitaines unique sur chacun de mes navires. Donc j'ai juste fait une exception avec le Olivier Fleury pour qu'il puisse arriver au rang 10 avec des points de compétence assez imposants. Donc là je suis à 18 points de compétence sur 19, donc il me reste plus grand chose, il me reste plus que 270 000 à peu près, c'est ça en gros. Hein. Donc regardez ce que j'ai mis comme compétence. Alors moi je les ai mis, excusez-moi, et la Belgique va mourir. Donc je les ai mises, ces compétences, un peu comme je voulais les mettre, sans avoir demandé de conseil ni rien. C'est un peu comme je pensais que les cuirassés devraient être protégés ou mis en avant grâce au niveau des compétences. Alors, pour la première ligne, j'ai mis, bien sûr, maintenance préventive, pour avoir 30% de moins de chance d'avoir mes éléments qui sautent, comme les tourelles, les anti-aériens, l'artillerie secondaire, ce genre de choses. Vous voyez ? Bon. Deuxième ligne, j'ai mis. Alors, la deuxième ligne, attention, au fur et à mesure que je gagnais des points, en fait, que je mettais mes points, je mettais d'abord les plus importants. Donc, poussée d'adrénaline, pour que. Plus je perds de points de structure, plus mes canons rechargent vite. C'est vraiment. Pour moi, pour un cuirassé de rang 10, c'est très important, je pense. Hein. C'est une des clés de sa survie, c'est pour tirer le premier. Donc, tirer le premier avec une recharge qui est déjà à 20 secondes pour le cuirassé République, ou 21 secondes, descendre à 18-17 secondes de rechargement, c'est peut-être, quand on est pratiquement à plus qu'à 20% de points de structure, c'est, ça sauve la vie. Voilà. Ensuite, bien sûr, le surintendant, pour avoir 4 boosts de vitesse et 5 réparations, régénération de coque, c'est pour moi le plus important, parce que ça garde, on reste dans la bataille avec 5 régénérations coque, je suis désolé, mais ça nous permet de rester dans la bataille le plus longtemps possible. Et surtout que je mets toujours que des grades 2 au niveau des consommables. Je sais, c'est de l'argent perdu, mais c'est comme ça, je préfère. Ensuite, entraînement avancé au tir, parce que les secondaires du République sont extraordinaires. Vous avez pu voir à quel point ils tirent loin, enfin vous allez voir à quel point ils tirent loin dans la bataille qui va suivre, en tout cas dans l'épisode qui va suivre. Alors, quand j'ai les points au-dessus, alors j'ai mis tout de suite dissimulation, expert en dissimulation, pour perdre 14% de dissimulation, c'est quand même énorme. Enfin, gagner 14% de dissimulation, c'est énorme pour un cuirassé français, qui se voit de très très loin. Ensuite, les autres points, alors là j'ai mis un peu comme je voulais, donc j'ai surtout mis expert tireur d'élite, parce que je rappelle que les tourelles du République sont disposées une de 4 à l'avant, une de 4 à l'arrière. C'est quand même un peu handicapant. Donc pour que les tourelles tirent le plus vite possible, j'ai mis expert tireur d'élite. Je rappelle que ça fait une vitesse de rotation accélérée hein, des tourelles. Et pour finir, j'ai mis ce que je pense être nécessaire quand on n'a plus que 2 points de compétence à répartir. Grande alerte. Alors ça permet de réduire le temps de rechargement de l'équipe de contrôle des avaries. Ce qui n'est pas un mal, je pense. Voilà. Et donc il me restera 1 point de compétence à répartir plus tard. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que je redistribuerai les points à ce moment-là. On verra bien. Donc si vous êtes d'accord avec cette répartition, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi je suis tout oui. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas aussi. Pour l'instant, je m'en sors plutôt bien avec cette configuration. Voilà.
On verra bien. Bon, bah écoutez, on va passer maintenant aux épisodes. Mais avant, je voulais regarder un petit peu la dissimulation. Elle est à 15 km avec la diminution due aux compétences. Donc, c'est quand même, vous avez vu la dissimulation du République, c'est quand même dans les 17 km, je crois, un truc comme ça. Donc, au niveau de l'artillerie, la principale elle tire à 26 km 1 et la secondaire nous tire donc à 12 km 1. Voilà, c'est énorme. Alors je crois que au niveau de l'apparence, je crois que j'ai mis de toute façon le pavillon qui permet de tirer plus loin, mais je suis pas sûr. Oui, c'est bon. Le Mike Yankee Sozi 6 permet de avoir plus 5% là au tir de la batterie secondaire. Si on le retire, batterie secondaire ne tire plus qu'à combien? Allez, 11,5. Donc en le mettant, on tire à 12,1. Je crois que c'est, je suis pas sûr. Je crois que c'est le plus longue distance de tir de secondaire de tout le jeu. C'est-à-dire que c'est canon de secondaire, on va regarder de plus près. C'est quand même du moderne en fait. Voilà, c'est du moderne et c'est pas mal du tout. Ça permet de tirer à tout ce qui bouge à 12 km, se prend les secondaires. Et ça, c'est comme si vous aviez un croiseur léger sur votre, en plus sur votre coque. Donc, c'est pas négligeable. Surtout que les deux tourelles sont à l'avant. Donc, si vous vous trouvez en face d'un navire qui, comme le Kurfürst sur le Yamato, genre de choses, peut vous détruire si vous êtes de flanc, mettez-vous de face, et à 12 km ou moins je parle, hein, donc mettez-vous de face, vous allez tirer dessus avec vos canons de devant, enfin la tourelle de devant, plus les deux secondaires qui sont à l'avant, donc 6 canons de 152 mm, c'est quand même énorme, c'est énorme. Voilà, et bah écoutez, je vais pas vous ennuyer plus longtemps avec mon bavardage, on va passer maintenant aux épisodes. Bon visionnage tout le monde, et puis on se retrouve après pour le débriefing de tout cela. Eh bien, nous voici dans le troisième épisode des aventures du cuirassé République. Et cette fois, cet épisode sera consacré à l'écrasante supériorité et la précision magnifique de l'artillerie française. Si seulement elle avait existé. Donc, nous sommes de bataille rang 8 à 10, hein. Il y a 4 rangs 8 de chaque côté et quelques rangs 9 aussi. J'ai cru voir. On va regarder ça tout de suite. Un rang 9 de chaque côté, deux rangs 9 de chaque côté aussi. Donc ça veut dire qu'il y a 6 rangs 10. Voilà. Et je suis toujours avec le cuirassé République, comme le titre de l'épisode le signalait. Et on va voir dans cette bataille ce que peut donner la force, la puissance et la précision de l'artillerie du République à courte et longue distance. Bon, pour l'instant, c'est simplement la carte aurore boréale, tranquille. Il fait plutôt froid, il fait plutôt frette. Il y a un vent petit glacial qui souffle, et puis il y a les montagnes, là, la coupelle de neige. On pourrait aller skier un bon coup après la bataille, enfin, si on est sur le vivant, bien sûr. Donc là, il y a deux groupes en fait. Il y a un groupe qui va se rassembler vers G4, composé de quelques navires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme 7 navires. Et il y a un autre groupe à nous avec 5 navires, donc 2 croiseurs. Un Edinburg, moins devant moi. Moi, un destroyer va aussi vers l'ouest. Donc on est 2 croiseurs, moi et. Quel est le cuirassé, quel côté? Le Bismarck qui est juste là. Là je me dis bon, sans destroyer, on va s'ouvrir un peu quand même. L'Hindenburg devant, les deux Hindenburg en fait. L'Hindenburg devant a lancé son avion. Il y a eu une détection par là-bas, mais rien de précis. Ça a duré quelques secondes je pense, et même pas, parce que je vois même pas de traces moi. Je suis repéré, logique hein. Je lance mon boost moteur pour que la visée de l'ennemi soit un tout petit peu plus perturbée, pas grand chose hein, mais ça peut toujours servir. Donc les une force ennemie vient d'apparaître là-bas, donc avec 4 navires. Je tourne dans cette direction là parce que, ah voilà, ça y est, enfin, détecté un cuirassé. Un Richelieu même, à 22,5 km, ça n'a pas bougé. Si, c'est bon. Je tire un peu au hasard, on m'a tiré dessus d'ailleurs, on me met un petit incendie que j'arrête tout de suite parce que je passe derrière l'île, donc je vais me permettre. Je touche une fois, obus qui se brise, bon d'accord. Donc il y a un Bismarck à côté de moi là, et
Il va être pris en cible par la... le vilain coquin qui est dans son écran de fumée là-bas qui tire sur lui. Peut-être un Kagiro ou un Fletcher. Voire un Mushimakaze, hein. Mais bon, vu le nombre d'obus, je pense plutôt pour un Fletcher. Moi. Ouais. J'ai été repéré, des obus tirent sur moi, mais comme ils sont trop rapides, ils sont perturbés. C'est Tiapis qui va tirer dessus ? Ouais, bon, d'accord. Donc, je tire un obus, je fais la haute. Des petites torpilles. Et je sens que je vais en prendre une, évidemment, avec ma chance. Je passe à travers. Ouh, je passe à travers. Je passe à travers. Très très bien. Voilà. Alors, ouais, il y a 6 obus qui frappent à chaque fois le Bismarck. Ouais, parce que c'était pas le destroyer finalement. Si, c'est pas que le destroyer. Bon, pour l'instant, j'ai mis 1450, c'est pas extraordinaire. Encore 1450. Très bien, très bien. Je me dis que la RNG n'est pas avec moi ce jour-ci. Ah, bah voilà, Fletcher. Et des torpilles. Qu'elle est vers moi, heureusement j'ai tourné. Sinon c'était kaboom. Adieu, le République. Il y a donc un destroyer qui s'est positionné en F5. Pour l'instant la bataille est tout à fait... Alors là, je vois qu'il accélère. 13 km, allez. Un petit coup. Voilà, il s'arrête complètement d'ailleurs même. Torpille aussi, encore raté. Je fais une pénétration encore, super. Vachement content. Là, il est au plus visible, donc je peux pas tirer des obus pour rien. Je le positionne là parce que je suis toujours repéré, donc c'est vrai qu'il y a un destroyer toujours là. Il est quelque part dans les environs là. Et j'aimerais bien qu'on me le repère, mais c'est un peu difficile en fait. Je pense les deux croiseurs sont un peu derrière la base. On me tire dessus le Curpurs. La bataille est vraiment mal partie hein. Au niveau pour moi là. J'ai pas. Là en plus, je prends 13 000 points de dégâts. J'en mets 17 000. Ouais. Ok. Je lui ai appris un petit peu la politesse au Curfürst. On ne frappe pas une dame et c'est surtout pas la République. Sauf si on est allemand, hein. Si on est allemand, on apprend un petit peu la repentance, n'est-ce pas? Et donc, toujours le jour de l'étroyer, donc ça, je reste un petit peu de biais comme ça parce que j'ai pas envie de me prendre une torpille. Enfin, une vague de torpilles par le sud là. Alors, attention. Allez, par-dessus la montagne. On y croit un peu. Pour l'instant, la bataille s'engage plutôt mollement. Il y a une destruction de notre côté. Ouh, 23 000 points. Ah, bon, d'accord. Précision de l'artillerie française, comme je disais. Et j'ai dit aux gens, attention à la case S5, il y a un DD par ici. Le Curfus à 16-3 s'est pris une torpille de... On va chier au hasard, parce que... Enfin, au hasard. À peu près à l'endroit où je pense qu'il est, parce qu'il tourne, en fait. Mes obus se sont perdus, je pense, ouais, dans la montagne. Donc pour l'instant, c'est tout à fait calme. Le Yamato, qui est complètement de flanc à 21 km. Je me dis, bon, je peux faire quelques dégâts, je vais pas non plus faire grand chose. Frappé à tribord, et voilà. Et là, je me dis, bon, je suis mort. Il y a une grande chance que je m'en sorte pas tout à fait intact, en tout cas. Après, je tourne à mort. Je vais en prendre au moins une, je pense. Ou pas, peut-être. Ou alors aucune. Ah bah aucune. Parfait. Alors, je sais pas si c'est le Mogami ou qui a repéré les torpilles avant. Mais en tout cas, ça m'a rendu bien service. Ah mais on voit un petit peu les petits bugs comme ça. Donc 52 000 points de dégâts. Oh, ah, attention, 55 000, ah, même pas. 1450 alors. Il a marqué les dégâts juste avant les avoir infligés, c'est marrant. Bon, pour l'instant, je suis pas au top de ma forme. De partout, la bataille de tranchées, vraiment une bataille de tranchées, là, il n'y a pas d'autre mot. Bon, je me dis, bon, l'Idenbourg est 19 km, allez, on va essayer. Il faut enlever le poids de ce Idenbourg et du notre croiseur. Je dis bon bah je vais rapprocher peut-être des combats maintenant. Oh, deux citadelles, 38 000 points de dégâts, bonjour monsieur Hindenburg. Très content de vous avoir rencontré.
je retire dans l'espoir peut-être, un peu vain peut-être aussi, mais de le voir couler. Mais non, je pense pas que je l'aurai. Il a tourné en plus à ce moment-là. Touché quand même encore une fois, 4700. On a petit destroyer le Kagero qui n'arrête pas de nous de me torpiller depuis tout à l'heure. On va lui apprendre les bonnes manières, bah si on peut. J'aimerais bien lui apprendre les bonnes manières, voter que mes secondaires. Ah bah, d'accord, le Mogami lui a pris les bonnes manières. Donc les torpilles sont parties quand même. C'est vraiment une bataille très longue distance. Bon, les torpilles, je sais pas si je pourrais les éviter. Si. En fait, j'aimerais bien retourner vers le nord à nouveau, mais les torpilles me mettent un petit peu dans l'embarras là. Alors, je dis torpilles, j'en prendrai une quand même, c'est pas grave. J'en prendrai une et puis je tourne. Ou je tourne pas. Ah, je tourne pour les éviter. Pas d'île. Le Yamato. 2900, bon. 2 x 1450. Retirer un autre sur le Yamato, 22 km. C'est vraiment pour montrer la précision à longue distance du République, c'est vraiment étonnant. Quoi. C'est vraiment très étonnant. Je pense pas en fait réussir à toucher. Non, j'ai vraiment raté, complètement. Donc pour l'instant, c'est une bataille vraiment, vraiment molle. 3 partout. Il mène de 10 points grâce aux points. Grâce surtout au type de navire qu'ils ont détruit. Ils ont détruit un croiseur, un cuirassé et un destroyer chez nous. Oh, touché, 5600. Et nous deux destroyer, un cuirassé, un croiseur, non, c'est un croiseur. Non, c'est un cuirassé, cure first. Donc pour l'instant, pas de destruction, je reste sur ma faim. Je fais s'envoler mes obus vers lui, 23 km. Je peux tirer à 26 km 1, hein, donc c'est quand même énorme hein, comme. 3700 encore. C'est énorme comme distance de tir, hein, le 26 km 1. C'est gigantesque, hein, c'est meilleur que le Yamato quand même à la base. Ah, Yamato me rend la monnaie de ma pièce, enfin, il va espérer en tout cas. Je me dis, bon, je vais lui faire plaisir, je vais essayer de me faire quelques dégâts. Le Yamato est d'accord, il est détruit. Bon bah. Il m'a fait quand même 7800 points avant de défuncter. Richelieu, 21 km, bon. On va dire que là, si je touche, j'ai de la chance. Mais je reviens à toute vitesse vers le nord. Parce que j'ai quand même fait un long chemin. Alors, d'aucuns diraient que je suis un campeur. Mais l'intérêt, c'était que je voulais pas me faire torpiller. Moi, j'avais un destroyer qui était là. Et qui pouvait à tout moment me torpiller. Donc moi, je voulais qu'on m'en débarrasse. Je vois que les croiseurs et les destroyers qui étaient là me débarrassent du destroyer. Et ce qu'ils ont fait, maintenant, je peux remonter. Là, je continue vers le nord, 117 000, je me dis bon, la bataille, je vais faire dans les 117 000, 130 000, 140 000, au grand maximum, quoi. Je vais pas être super puissant. Là, bon, vous voyez, 2900, je vais faire que des scores comme ça, je me dis bon, ça va être tranquille. On va gagner, lentement, mais sûrement. Pas d'ailleurs, parce que, regardez, le destroyer qui est en... Et le cuirassé, là, qui est un peu dans l'ouest, il se montre à tout le monde, là. Ah, le Lienembourg vient de rentrer dans les Richelieu. Qui me permet de faire 1450, super. Moi, je continue, je vais passer par le milieu, parce que ça va plus vite, déjà, 1. Et 2, je vais garder la vision sur le Richelieu. Avec 4 obus qui volent vers lui, tranquillement. Ah, c'est une bataille tranquille. Sur une petite musique tranquille, on reste peinard. 4886, allez, on augmente un peu les dégâts. Et c'est là que je vois deux croiseurs qui foncent vers le sud. Bon, ils vont se faire accueillir comme ils le méritent. Moi, je vais me concentrer sur les cuirassés au nord. Eh, il y a un tirpitz, ça tient. Je me dis, bon, le tirpitz, là, il est à moi. Je me dis, hein. Après, je peux très bien ne pas être d'accord avec moi-même. 1450, c'est nul. Alors, je sais pas si la RNG était pas avec moi, là. Mais pour l'instant, deux citadelles... Aucun coulé. Et la bataille se continue de s'enfoncer. C'est une bataille standard de toute façon, on n'a pas le choix. 37 km, le Richelieu, je me dis bon, allez, on va lui faire quand même un petit peu plus de dégâts. Parce que je vais réussir à faire quelque chose. Parce que mes aventures vont être dignes de rien du tout. Voilà. 3 rebonds. Il a mis son boost moteur, donc j'ai tiré beaucoup trop en arrière. Cette fois, je vais essayer de corriger mon erreur. Surtout, je vois le tirpitz qui arrive là, qui va déboucher. Bon, là. Il va soit rentrer dans l'île, bon, je vais attendre un peu. Je ne vais pas tirer n'importe comment. Ah, attention, est-ce qu'il rentre dans l'île ou pas? Il semble pas qu'il rentre dans l'île.
Et comme je disais, il y a le tire-piste qui sort là, donc à 12 km, je me suis dit bon bah, c'est une cible un peu plus intéressante, et surtout, je peux commencer déjà à tirer à 12 km avec, avec mes secondaires, c'est pas rien. Et je lui fais 6300, deux fois, 6300, 6200, donc 40 000, pour l'instant, c'est pas non plus extraordinaire. Bon, pour l'instant, je suis quand même content de ma précision, hein, 51 coups au but, j'ai pas tiré tant que ça. 12 km, il a ralenti. Et à 12 km, je vais continuer à lui tirer dessus, c'est assez étonnant. Bon, 11 000 points, oh, tiens, c'est étonnant, d'habitude, je fais beaucoup moins. On a 4 navires partout. On a un petit peu l'avantage. Le Richelieu m'a tiré dessus, le Capitaine aussi. Ah, j'ai pris en cible, enfin. Reconnaissez ma supériorité. Et mon danger, petit coquin. Le Daloy vient détruire le Mosva, donc on commence à vraiment prendre le dessus. 4200, c'est pas non plus la panacée. Alors on continue en fait, c'est une bataille vraiment sur la durée, hein. C'est une bataille stratégique comme on appelle ça. C'est les tranchées. On reste chacun de notre côté, et puis c'est celui qui tire le mieux, celui qui a le meilleur potentiel de dégâts qui gagne. Là je reviens en avant, donc il me manque. Parce que j'ai mon boost moteur, donc il est un peu déstabilisé au niveau du tir, je pense. Oh, une citadelle, 20 000 points. Très bien. Avec une pénétration et une surpénétration. Bon, je monte à 176 000, je fais, ah tiens, je vais peut-être approcher des 200 000. Sans être trop optimiste non plus, hein. Pas non plus exagéré. Lindenburg détruit par Lindenburg de notre équipe. 2900, bon c'est rien. La prochaine je pourrais peut-être le sortir, le tirpitz. Donc dans le vent qui souffle, je me dis bon, en prenant ma pipe et en fumant mon tabac tranquillement, je me dis bon bah cette partie est bientôt finie. De toute façon, autant essayer de profiter pour engranger les dégâts. On va se débarrasser d'abord du tirpitz. Ah bah non, on se débarrasse pas du tirpitz. Bah alors, si t'arrives, Starcade, bah t'as mal visé. Non, c'est pas mal visé, c'est juste que bon bah voilà quoi. Il est saturé de dégâts. Et je commence à tirer sur le Richelieu. Oula, sur le Hindenburg, pardon, excusez-moi. Là, normalement, je devrais m'en séparer. C'est pareil, hein. Voilà. Première victime. Eh ben, il a fallu du temps, hein. Là, maintenant, je peux commencer à m'avancer près du Richelieu. Je n'ai pas peur. C'est juste qu'il y a un croiseur sur le côté, juste dans la base ennemie, là, qui est sa trace. Et là, il y a deux croiseurs, même. Donc, je fais ça très attention à ce que je fais. Voilà. Je vais tourner, en fait, vers les croiseurs. Je vais laisser au Richelieu la possibilité de me faire peut-être mal. Mais il est pas sur moi, donc il est sur le destroyer qui est là. Malheureusement pour lui, je dirais presque. Donc la bordée que je lui fais, c'est une bordée qui était pas censée le détruire. Je pensais pas, hein, franchement. Deux citadelles. Mais bon, le 430 mm, maintenant je suis ouvert aux deux croiseurs qui sont là. Alors il y a une bourg qui est ici. Normalement, les 7 torpilles sont partis là. Soit de ce côté ici, soit de ce côté. Alors normalement c'est Mogami qui va tirer, c'est 203 mm, voilà. Donc là 223 000 points de dégâts, je fais, ah tiens, bon bah ok. Il fait mal hein Mogami avec ses 15. Ah il a 153 mm, 152 mm pardon. Il a gardé ou 155, je sais plus. Il a ses 15 155. Donc il fait pas super mal, mais il run bien. Le Dianbo m'a tiré ses torpilles, c'est sûr et certain, d'un côté comme de l'autre. Là, je me dis bon bah Mogami, mon ami, excuse-moi, hein, mais tu te mets de flanc là. Oh, 1450, ça va. N'aie pas peur. De toute façon, je suis mauvais tireur alors. Voilà. Ah, les torpilles du Namour sont arrêtées, c'est vraiment dommage. Oh, oups, désolé. Désolé, oh, grand Mogami, je ne voulais pas te. Je voulais te donner mon ami. Oh, deux incendies, ah, je suis mal. Ah, je vais sans doute défuncter. Il y a un Edenbrook derrière moi qui va me faire très mal. Oh, j'ai peur. J'ai très peur. 8403. Ah oui, d'accord. Bon, peut-être le finir alors. Bah voilà. Ah, j'ai 3 incendies à bord. Je souffre. C'est atroce. 269 000 points de dégâts. Bon, pour l'instant, on me dit, bon, voilà, c'est une très bonne partie. Je peux plus rien faire de mieux, hein. C'est fini là. On éteint les incendies. Dans 10 secondes, on peut réparer. Il y a Longman 196 qui est avec moi. Alors là, tout doit bien se passer.
La Kizuki, donc, il vient de faire un petit peu de repérage. Oh, regardez! Un round à 19 km. Bon, je me dis, allez. Pour le plaisir, avant la fin de la partie, il reste 2 minutes. Je vais essayer de le chasser. J'augmente la puissance du moteur pour pouvoir le frapper à longue distance et le rattraper peut-être. Ça va lui faire un peu plus mal. Il tourne. Bon. Ah, t'as un obus 2. Ah, 2900, ça va. Je suis pas trop dégoûté. Donc tout le monde lui tire dessus, Domskoy. Je lui ferai pas grand chose de toute façon. Je lui ferai assez mal quand même pour l'amener aux portes de la mort. Portes de la destruction finale. Oh bah mince. Il a ralenti, mais j'ai quand même touché de 7600 quoi. Ça m'a fait bien rire en fait. Quand on a vu l'obus, les deux buts, j'ai juste touché le nez. Eh, donc il a bien dû me mettre dans un endroit où il y avait encore des dégâts à prendre, je pense. Là, j'ai fait encore quelques dégâts, mais je coulerai pas, je pense. On va voir. Eh non, pas assez pour le couler, c'est dommage. J'aurais fait mon Kraken, mais bon, tant pis. Donc je vais finir à 284 705 points de dégâts. Voilà, la partie est terminée. Et on se retrouve pour le 4e épisode. Salutations mes petits capitaines et mes grands amiraux, et tant pis si je me trompe. Ici Stark à votre hôte et nous sommes de retour sur le monde des navires de guerre, World of Warships, pour une bataille du premier de la classe avec moi en vedette, avec le République à nouveau. Parce que République, j'aime beaucoup. Alors cette bataille est un petit peu spéciale. Vous allez voir, parce que j'ai eu beaucoup de chance déjà, hein. Et deux, on va mettre une autre musique que celle-là. Voilà, parce qu'elle est un petit peu prise de tête. On va prendre une dynamique. Appliquer. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons dans l'équipe? Deux Yamato en face. Ouhou, c'est mal. Uizumo, North Carolina, Richelieu. Donc pour les cuirassés, c'est pas des gnognottes. Surtout les deux Yamato. L'Izumo aussi, j'ai tendance à m'en méfier pas mal. Le North Carolina avec ses 406 mm peut faire aussi très mal, et Richelieu, ben, c'est Richelieu, donc toujours une menace possible. Donc Minotaur, Edinburgh, Zao, 3 croiseurs à redouter au grand max. Cleveland, Kutuzov, ça va encore, mais Kutuzov, avec son écran de fumée, peut faire très mal au bout d'un moment. Z52 et Arikaze, bon, je suis pas super au courant de leur capacité. Mais l'Arikaze, c'est un destroyer japonais, n'est-ce pas? Et les japonais, ils tirent le torpille très loin et j'ai peur. Bon, alors, l'équipe se scinde en trois groupes en fait. Il y a le premier groupe va vers A, le deuxième groupe va vers B, et le troisième groupe dont je suis va vers C. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée de diviser les groupes ainsi. Mais l'ennemi en fait fait pareil, donc de l'autre côté. C'est juste, on sait pas encore, mais l'ennemi fait exactement la même chose. Donc, ça va nous porter préjudice ou nous aider, ça dépend. Comment on voit les choses. Edinburgh m'accompagne sur le côté, enfin j'accompagne plutôt Edinburgh, hein. Et en fait on va rester comme ça, moi sur le flanc droit, lui sur le flanc gauche, et derrière moi il y a normalement Yamato, North Carolina pardon. Yamato est en bas. On a Yamato chez nous. Ouais, ça, Yamato est en bas. Donc bon, navire en vue au sud, mais c'est très loin. Moi je préfère me concentrer sur C. Si jamais je vois quelqu'un sur C, je tirerai. Pour protéger Edinburgh qui veut essayer d'y aller, je pense, j'ai l'impression. Donc là je vais essayer de prendre un peu de risque, de me présenter entre B et C pour protéger les deux bases. C'est un gros risque en fait, parce que il peut y avoir tout le monde qui, chez l'équipe ennemie qui arrive sur C. Ça par contre ça peut être dangereux. Ou les gens peuvent prendre B et arriver par C avec leur destroyer. Enfin par C, entre le goulet B et C avec leur destroyer et torpiller. Donc c'est toujours un problème. Alors là, Edinburgh, ouf, en vue là. Et là, comme il passe à côté d'une île, il passe pas juste derrière l'île. Il change pas de direction. Donc premier coup, bon bah raté, hein, il avait bien ralenti. Ou alors il avait fait exprès de ralentir. Donc là je reste en dehors de la visée de tous les navires du sud, et je garde pour l'instant ma visée sur le Edinburgh, qui lui se concentre sur l'autre Edinburgh, étrangement, ou pas. Et là, il me dit, bon bah, voilà. Bah, il commence déjà à tourner, mais il peut pas tourner dans l'île, on est d'accord. Donc, bon, un touché, bon, je lui dis, bon, il va m'échapper. Est-ce qu'il va pouvoir tourner derrière l'île? Il peut pas, non. S'il fait ça, il se plante dans l'île. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va redresser la barre,
il va se diriger vers l'est, enfin vers le nord-est. Et donc il est obligé de tourner, vous voyez, donc se mettre de flanc. Donc là je me dis, bon, je vais faire un peu mal quand même là. On va essayer de lui faire un petit citadel ou deux. Pour le mettre, pour lui donner une bonne leçon. Voilà. C'est... Frappe dévastatrice, premier sang. Détruit une citadelle. Comme j'ai dit à mon copain Edimbourg, je dis à l'ennemi, l'Edimbourg ennemi avait la même idée que nous. Et il a eu une mauvaise idée. Donc premier navire, donc il fonce tout seul à Edimbourg face à ses ennemis. Je pense que j'aurais fait la même chose que lui, sauf que j'aurais tourné dans la direction de, du République. Pour éviter de me faire citadeler comme ça bêtement. J'ai dit citadeler, c'est pas beau comme mot, mais me faire emboutir par les obus du République. Ça, j'aurais attendu qu'il tire pour tourner, mais c'est vrai qu'ils vont y rechercher tellement vite le République, 20 secondes, le temps de tourner, et il vous remet ça, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu un dilemme pour l'Edimbourg, mais le problème c'est qu'Edimbourg il est parti seul. Il est parti totalement seul sur le sur C. Et ça, partir seul sur un sur une base, ils ont vu qu'on partait sur A et B, donc ils se sont dit il n'y a personne sur C. Prince Eugène au sud qui a été détruit. Moi je continue mon avance. Alors, je me place ici. Là par contre j'ai plein de cibles. Il n'y a pas grand chose qui me plaît beaucoup là. Le Kutuzov, c'était une cible vraiment à abattre. Ah, il y a un croiseur qui est apparu juste devant moi là-bas, c'est un Minotaur. Il a disparu juste derrière et il a été en écran de fumée. Mais il est parti sur un écran de fumée, il va passer derrière l'île qui est devant là. Et je pense qu'il va pas ressortir de l'île et il va essayer de me torpiller, je pense. C'est ce que je pense à ce moment-là. Je me dis, bon, faut que je fasse gaffe. Il est juste là, il va me torpiller. Il va attendre que je tire, peut-être pour sortir. Donc on va voir comment ça va se passer. Donc je vais ralentir, je me pensais être le nez de vers le nuage de fumée, voilà il sort. Donc là, il torpille, c'est évident. Donc pour moi c'est du suicide hein. Ah j'ai touché le Kutuzov. Pour moi c'est du suicide ce qu'il fait le Minotaur hein, parce que moi je vais avancer, il a pas le temps de torpiller. Juste à côté derrière moi il y a l'Edimbourg. Donc c'est pas grand chose là, ça va. Et je rappelle que j'ai quand même 13 secondes, 12 secondes de rechargement pour les premières, premières salles. Il se fait tirer dessus en plus par le croiseur derrière moi. Donc c'est soit un Zao, soit le Lindenburg, le Char Martel, pardon, excusez-moi. Là aussi, vous avez aussi derrière le Lindenburg. Et au lieu de tourner vers l'île, il tourne vers moi à nouveau, ce qu'il pense pouvoir me... Voilà. Il pense pouvoir me torpiller. Bah non. J'ai pénétré par le nez de sa coque. Et je l'ai explosé, bah, enfin je l'ai... Son dépôt a explosé. Donc deuxième croiseur un peu suicidaire. Et là d'un seul coup je vois un Cleveland qui sort. Ils font exprès de se présenter comme ça. Le Minotaur a raté son torpillage. Je dis bon, le Cleveland va quand même. Il va tourner. Il va m'échapper. Ça va, il a pris 5800, il va tourner, il va être tranquille. Non il continue, toujours de flanc. Il ne tourne pas. Petit gars, j'ai 7 secondes de rechargement là. Ou alors il sait qu'il est foutu, alors autant pour autant. Alors il a dû tirer, au moins là, à la paix. Voilà, allez. Bon, suivant. 3 croiseurs suicidaires. J'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Donc là, je vois un Izumo. Je tourne, je sais pas pourquoi d'ailleurs, aucune idée pourquoi je tourne. J'avais peut-être dans l'idée, voilà. J'étais repéré, je sais pas. Le Izumo peut-être me tirer dessus, mais ça. Non, je vois pas pourquoi j'ai fait un. Pourquoi j'ai fait un demi-tour comme ça d'un coup. Maintenant, je dis au Edimbourg, allez hop, on fonce sur l'Izumo. Alors pour l'instant, nous on a deux bases. Une base qui est contestée. 3 navires détruits chez l'ennemi, 2 chez nous, donc pour l'instant la bataille, même si on mène au point largement, n'est pas finie. Et je suis déjà à 107 000 points de dégâts. Et on a perdu notre Yamato, super. Alors, ils ont perdu leur Arikaze. Bon, ok, donc on garde BSC. Donc on garde un avantage de points, un avantage de navires détruits aussi. Donc là la bataille va aller de plus en plus vite. Il y a North Carolina, non, il est moitié en train d'avancer ou pas. Il accélère. Donc je vais voir. On perd un Z23. Donc ce qui fait qu'on perd aussi donc un autre navire. Donc ils réduisent un peu l'écart, mais toujours B.
Alors la position B et position c'est... Je vais y arriver. La position B c'est une position pivotale. Si vous avez B et que vous avez et vous avez une bonne chance de garder C ou A si vous avez les deux. Ouais, la deuxième tourelle peut passe au-dessus, la première la bordée c'est perdu. Bon, je vais me tourner vers l'Izumo avec l'Indenburg, on va se tourner vers l'Izumo en fait. Donc B, on l'a. Notre flotte fait un bloc complètement à l'ouest. Donc tout navire qui sort est focalisé en fait. Enfin notre équipe. Donc là, la bataille est plus ou moins remportée à la base. Ça veut rien dire. Oh 110, regardez pour les dégâts. Première fois que je vois ça. Le bateau à 20 km qui ne bouge pas. Il se prend 1450. Bon, voilà. Pourtant j'ai bien visé. Hein. Normalement j'ai bien visé. Il recule. Ligne de flottaison. Normalement j'ai bien visé. Normalement les obus arrivent normalement sous la cheminée là. Ouais, 3800. Bon bah voilà. Il tourne un petit peu aussi, il change de cap pendant qu'il recule, donc ça peut fausser aussi les obus. On a un destroyer au milieu, mais bon. Je pense pas qu'il soit vraiment dangereux pour nous. Donc là, l'Izumo a disparu. Quelques points de dégâts encore au Yamato, c'est pas extraordinaire. Et là, on a un Z-52 qui vient vers nous, qui va être torpillé peut-être le Minotaur. Et je pense que à la base il voulait venir vers nous en fait. Il voulait venir vers moi et l'Indenburg. Je pense hein, je suis pas sûr, je suis pas trop sûr. J'ai touché, voilà, explosion. Donc l'Indenburg m'accompagne toujours et ça c'est un bataille coordonné pour ça, c'est que je lui en voudrais jamais. Je suis très très reconnaissant en fait de m'avoir accompagné. Parce que son soutien va être primordial pour détruire les adversaires, pour les endommager. Il met le feu et moi je finis au perforant. Nous voici donc à 11 km du Izumo quand même. Donc je vais mettre en position pour me, donc déjà devant. Les tourelles vont tourner lentement. C'est bizarre, mais pendant les replays, il y a vraiment des problèmes de rotation de tourelle. C'est... Là, la tourelle, elle est totalement hors de contrôle. Et en plus, je suis à portée de tir de mes secondaires, donc qui sont devant. Et plus, le plus gros nombre de secondaires est devant, donc ça fait possibilité d'incendie multiple. Voilà, un incendie d'ailleurs avec le secondaire. Pour l'instant, on gagne au niveau des points toujours, on a 400 points d'avance. L'Indenburg m'assiste. Travail de division. On n'est pas en division, mais ça travaille de division. Et juste à côté, derrière nous, là, il y a aussi un cuirassé. Je touche Izumo en citadelle. Je laisse ma deuxième tourelle tirer, tranquillou. Encore 7400 points. Il tourne. Et normalement, si j'ai bien visé, je le finis. Non. Bon, bah, j'ai pas fini. Il répare ou pas? Non, mais c'est mes incendies par contre. Voilà, incendie, je vais le finir. Quatre navires détruits, 179 000 points de dégâts. La bataille était très rapide. Enfin, pas si rapide que ça, mais c'était rapidement réglé cette histoire. C'est pas fini encore, hein. Attention, hein. Il y a quand même 6 navires détruits chez eux, mais quand même 5 chez nous. Donc tout peut changer si jamais ils nous focalisent tous un par un. Le problème pour eux, c'est que le Yamato est très faible. Et voire même, il est en train de couler. Leur Zao et leur Norcarana ne servent pas à grand chose. On est à 816. Citadelle sur le Zao, 195 000 points de dégâts. Le Yamato est détruit, mais les Zao détruit le Minotaur. Il y aurait 5 navires, il y en aurait 6. Vous voyez, c'est quand même assez chaud malgré tout. Hein. C'est une seule erreur de notre part, et on perd deux. Si on perd 2-3 navires, et 1 ou 2 seulement, ça peut tout changer. Donc Indenburg, lui,
Il est plutôt prudent et il a raison. Je me positionne pour tirer sur le Yamato. Qui va se prendre des torpilles, donc peut-être qu'il va exploser, voilà. Minotaur l'a eu. Joliment joué. Et là le Zao, et là 894. 900 points. Allez Zao. Je pense pouvoir le finir et faire mon Kraken. Je pense hein, dans l'instant j'ai pensé hein. Mais il a tourné à ce moment là et paf hein. Un seul obus qui touche, malheureusement. J'ai mal anticipé son changement de cap. Et là je me dis bon c'est bon. Normalement prochain tir, je le détruis. J'ai pas anticipé qu'il allait sur le bord de la carte, il allait glisser sur le bord de la carte en fait. Voilà. Normalement j'aurais dû le détruire. Logiquement, j'aurais au moins pu le toucher une ou deux fois. Et j'aurais dû le détruire. Et là on a 148. Il suffit qu'il y ait un navire ennemi qui soit découlé pour que la barre passe à 1000. Et attention, ah bah, voilà, 992. Les obus sont en train de monter. En train de monter. Baisser. Ah non. Voilà, 1000 points. Juste avant qu'ils arrivent sur lui, les obus ne servent plus à rien. Dommage. On se retrouve pour les statistiques, les amis. Nous voici donc sur le débriefing des deux épisodes que nous venons de voir sur les aventures du cuirassé république. Alors là, nous sommes sur le troisième épisode. De la précision de l'artillerie du cuirassé république, s'il avait existé. Voilà. Bon, bah, vous avez vu que la bataille a été plutôt lente à se mettre en place, plutôt lente à se développer et plutôt lente à se finir. C'est une bataille d'escargots, une bataille, on va pas dire de myopathes, hein, parce que je veux pas non plus insulter les myopathes. Donc c'est une bataille de tranchées, comme je dis toujours. Elle s'est déroulée de façon tranquille, pépère même on peut dire pour moi, même si j'ai quand même bien été comment dire, visé par nombre de torpilles et d'obus, comme on va le voir. Donc... Alors les statistiques nous donnent 785 000 crédits reçus, 12 537 points d'expérience reçus, 2 508 points d'expérience libre, soutien, frappe dévastatrice et gros calibre. Donc efficacité en combat, 284 000 points de dégâts. Je crois que c'est même pas la peine de faire des statistiques et même des pourcentages pour savoir pourquoi, combien, etc. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc j'ai rien à dire de plus là-dessus. Hein. 89 coups à la cible par batterie principale, un élément neutralisé seulement. Non, mais bon, j'ai pas tiré d'explosifs, j'ai tiré des perforants. Donc 4 navires détruits, 4 incendies provoqués grâce au secondaire, 6 citadelles touchées, 37 colassibles par secondaire aussi sur le tirpitz, je suppose, parce que. Et même sur le. Je pense aussi sur le destroyer qui était au milieu, le Kagero. Donc indétecté, donc voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus quoi là-dessus. C'est une bataille qui a été lente, organisée de notre côté pour notre camp. Et moi j'ai profité en fait de l'exposition totale que les ennemis faisaient d'eux-mêmes. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai suis arrivé premier avec 2758 points d'expérience de base, ce qui est élevé pour moi. En général je vais pas autant, je fais rarement autant quoi, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Donc 4 navires coulés. Le mieux en dessous de moi c'est 1000 points d'expérience en dessous, donc c'est l'Edenbourg avec 1710. Donc il était pas mauvais, hein, l'Edenbourg. J'ai suivi un tout petit peu ce qu'il faisait, un tout petit peu seulement. La Rugumo ensuite a fait 1653, le Mugami 1622, l'Udaleu 1370, bon après on descend jusqu'à 556. Mais bon, 2758, voilà, c'est plutôt rare pour être souligné. Ça veut dire que si on avait perdu, j'aurais fait dans les 2000 points d'expérience quand même, ou disons 1800, 1900, c'est énorme. Enfin bon, je suis très très fier de cette bataille au niveau des dégâts infligés, au niveau du déroulement de la bataille. C'était une bataille assez, on va dire ennuyeuse, mais j'ai engrangé les dégâts sans être vraiment menacé. Sauf vers le milieu où les torpilles du Kagero auraient pu me sortir, hein, je pense. Hein. Et même au début, si j'avais pas tourné la première fois, puis retourné à nouveau au Cap Babord dans les 5 premières minutes, là, ou 6 premières minutes, je prenais 2 volets de torpilles et j'étais fini. Donc comme quoi, ça tient pas à grand chose, hein, la survie d'un navire en bataille aléatoire sur World of Warships, c'est très très difficile de savoir comment ça va terminer. Même le plus grand niveau de compétence ne vous épargnera pas une salve de torpilles qui arrive sur vous au dernier moment.
et vous fera vous envoler en fumée. Voilà. Moi j'ai, alors je sais pas si j'ai eu du nez ou si j'ai eu de la chance, les deux peut-être à la fois. Je savais très bien que c'était dangereux de rester là dans cette position là. J'essaye avec le République de toujours bouger, toujours changer de cap pour perturber les destroyers et bien sûr les cuirassés et les croiseurs qui me tirent dessus. Quand il y a un porte-avions, je sais pas trop quoi faire avec un République. Il a un bon anti-aérien, mais bon, voilà. S'il est tout seul, il est mal. Il a un bon gouvernail, donc il peut tourner vite et éviter les torpilles, mais c'est quand même assez dur quand on a quelqu'un qui tire en manuel sur vous et qui est très très bon. Bien, et bah écoutez, on va passer maintenant à la statistique des dégâts. Alors j'ai fait 58 000 points de dégâts sur le tirpitz coulé, donc j'ai fait pratiquement 100% de ses points de structure. Richelieu 51 000 coulés, donc à peu près 80% de ses points de structure. 30 000 points sur le Mogami coulé, donc pratiquement tous ses points de structure, pratiquement, pas tout. Hein. 18 000 sur Hindenburg, j'ai fait 33%, 35% de ses points de structure. D'autres Hindenburg 42 000, non coulés, mais quand même. 41 000 sur le Kurfürst, et puis à côté j'ai pas repris la dernière fiche, c'est pas grave. Donc 284 000 points de dégâts, bon, ça se passe de commentaires. C'est juste le nombre d'obus que j'ai tiré, mon rapport à la précision en fait. Donc 280 obus tirés, et j'ai fait 95 coups à la cible, donc c'est un peu plus. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus de 33%, 34-35%, ce qui est supérieur à la moyenne pour moi. À longue distance, surtout c'est des longues distances à chaque fois. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai tiré à très longue distance à chaque fois. Hein. C'est à part pour le tirpitz qui lui en a pris plein la tête parce qu'il était très proche. J'ai tiré toujours à longue distance, donc c'est une précision longue distance du République qui est assez impressionnante. Voilà. Il a un bon Sigma, comme ils disent sur le jeu. Alors j'ai détruit et endommagé donc 9 navires. Donc j'ai fait 8200 grâce à la détection, donc c'est pas énorme. Par contre, les dégâts potentiels 2 600 000, j'ai été pris pour cible assez longtemps. Et surtout assez avec véhémence quoi, vraiment virulence on peut dire. Ils ont essayé de me détruire hein, au début, hein, dans les 6, entre 6 et 10 minutes, je pense que ma destruction c'était le but du Kagero, qui à tout prix voulait me sortir quoi, et il a pas réussi, malheureusement pour lui et heureusement pour moi. Donc navire de dégâts détectés 1, 24 torpilles détectées, la bataille a duré 18-49, j'ai pas réussi à finir malheureusement le round à la fin, ce qui fait que j'aurais pu encore un Kraken, tant pis. Donc 106 000 points de dégâts reçus quand même, donc j'ai... les 5 régénérations que j'ai, je suis resté en bataille grâce à ça aussi. Hein. Je suis resté en bataille dans nombreuses batailles, je suis resté vivant et jusqu'à la fin de la bataille grâce aux 5 régénérations. Donc en rang 10, n'hésitez surtout pas à mettre vos consommes au grade 2, ils sont là pour ça. Hein. Et si vous réussissez une bonne bataille en plus, ils seront largement remboursés. Mais bon, après moi, c'est ce que je pense. Hein. Et puis les consommables peuvent être gagnés de toute façon par diverses missions. Journalière, donc bon, voilà. Bon, voyons un petit peu le dernier panel, en fait. C'est juste le panel de sortie, hein, avec les gains. Donc, 570 000 crédits. Au final, donc avec 215 000 de dépenses de maintenance. 215 000. Donc, réapprovisionnement en munitions, 98 000. 98 000, les gars, quoi. Donc, ça veut dire, c'est que ce navire, ils savent très bien qu'il est puissant. Donc, ils font payer à la fin. En fait, bah, les joueurs qui le jouent, ils le font payer en niveau de la maintenance. C'est pas possible autrement. J'ai quand même moins 60% de maintenance, 72 000 crédits. Imaginez si j'avais pas mes 60% en moins, ça ferait, je perdrais encore 70 000 crédits, à peu près 80 000 crédits. Voilà. Donc je serais à 480 000 après avoir gagné 700 000 et quelques. C'est de la folie furieuse. Mais bon, c'est comme ça, et il faut payer le prix des bons navires, et payer le prix d'un navire joué, qui a un très bon Sigma et qui a une bonne précision, faut le payer. Voilà. Et moi, on le paye. Parce que c'est pas les consommables qui coûtent cher, hein, quand on regarde bien. 45 000 en moins, c'est pas extraordinairement peu cher. Surtout la maintenance et les munitions. Hein. Munitions 98 000, ça, la première fois que je me souvenais pas que c'était aussi cher. Parce que je crois que c'est en fonction de la durée de la bataille aussi, mais je sais pas. Donc reçu 4137 points d'expérience, 8400 modificateurs avec le Equal Speed Charlie London plus 50%, le type 20 donc qui donne plus 100%, le bonus journée de victoire plus 50 et le bonus du clan plus 3. Donc on arrive à 12537 points d'expérience, ce qui me fait largement mes deux premiers conteneurs de la journée, c'est excellent. Et 2500 000 points d'expérience libre, ce qui me fait que je monte en expérience libre, je serai prêt pour l'Alaska ou le Jambar, je sais pas trop comment ça va se passer. Au moment où je vous parle, là, au niveau des vidéos, je sais pas comment ça va se passer, les achats et la mise à disposition du Jambar et de l'Alaska. Donc j'attends avec impatience de voir. Bon, ben maintenant, on va passer au débriefing du 4e épisode. Et oui, suicide des croiseurs, croiseur suicide. Donc, ou comment ils meurent comme des samouraïs, ces croiseurs ennemis. Eh, oui. Bon, ben on va voir que c'était un peu moins impressionnant que l'autre bataille, mais c'est surtout pour le fait...
que les croiseurs ennemis là ont été vraiment suicidaires, et c'était quelquefois dans des équipes ennemies, on est toujours surpris en fait de la détermination des affirmés en fait des ennemis, de vouloir faire quelque chose mais ne pas y arriver parce qu'on manque de moyens, on manque de quelque chose en plus. Le Minotaur, s'il avait été un peu plus solide accompagné de quelqu'un d'autre, il aurait peut-être pu se mettre de flanc avant de mourir et me tirer sa torpille en plein dans ma coque, quoi. Je pense, c'était possible, hein, parce que vu la distance, il avait ses chances. Bon, alors on voit que j'ai fait 649 000 crédits, donc beaucoup moins que le premier, que le troisième épisode. Donc le quatrième épisode était moins fructueux pour moi. Donc voilà, 10 000 points d'expérience, 10 900, donc pratiquement 11 000. 2196 points d'expérience libre. Soutien, deux frappes dévastatrices. Normal, vu ce qui s'est passé. Un premier sang, Povidenburg. Et bien sûr, le gros calibre, parce que j'ai dépassé un certain nombre de points de dégâts infligés à différents navires. Alors, 200 000 points de dégâts. Donc, c'était, je crois, les premières fois avec ces deux épisodes que je dépassais les 200 000 points de dégâts. 200 205 et 284 000 pour l'autre. Donc, 54 coups à la cible, donc c'est pas énorme, je pense, avec tout ce que j'ai tiré. 4 navires détruits, donc 2 incendies provoqués. Et à chaque fois, comme la deuxième, pour la première, comme l'épisode 3, l'épisode 4, là, chaque fois. Je n'arrive pas à détruire le dernier pour faire un Kraken. Donc voilà. Heureusement, je me suis vengé dans un prochain épisode que vous verrez. Bien sûr, c'est un petit teaser pour les deux épisodes qui vont suivre, qui sont assez cocasses. Voilà. Donc 2 incendies provoqués, 5 citadelles touchées, 55 coups à la cible par secondaire. Ça, c'est le Minotaur, hein, en gros. 2 détectés, et c'est tout. C'est une bataille qui était assez dynamique, celle-là, par rapport à l'autre, vous voyez. Les batailles qui durent très longtemps, avec les batailles de tranchées comme dans l'épisode 3, ça dure longtemps, très longtemps, et on se demande comment ça va se terminer, quoi, tellement ça dure longtemps en fait. Au niveau stratégie, on le voit se développer au fur et à mesure la bataille, alors que là c'était rapide et dynamique, quoi. On n'a pas vu le temps passer. Ensuite, on va voir maintenant ma place. Alors je suis, vous voyez, comme vu, la bataille a été phagocytée par 4 navires. C'est vraiment, là, c'est le République, le Minotaur. De notre côté, le Démoine et l'Hindenburg. On a phagocyté la bataille. L'expérience aussi. Donc 4 navires coulés, 2411 points d'expérience, 2152 pour le Minotaur, 1799 pour le Démoine et 1659 pour l'Hindenburg. On a vraiment phagocyté l'expérience et les navires détruits. Donc 4-2-2-1, vous voyez. Donc 9 navires détruits en face. Et c'est nous qui avons tout fait. Donc bravo en tout cas à l'Hindenburg, en tout cas qui était toujours avec moi. Là, franchement, je suis très content qu'il soit resté avec moi et qu'il m'ait aidé. Et on a fait une très bonne paire. De navires, bien sûr, attention. En face, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont quand même bien joué. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une dynamique, mais qui n'a pas été portée jusqu'au bout. Et il y a eu quelques petites erreurs. L'Hindenburg, le Minotaur, le Cleveland, ils ont fait l'erreur de se sacrifier, en fait, au lieu d'avir en conséquence, ensemble. Le Minotaur et Cleveland ensemble auraient pu me faire mal, je pense. Le Cleveland aurait pu me distraire. Pendant ce temps-là, le Minotaur arrivait sur moi et me torpillait, quoi. C'était radical. Et l'Hindenburg était derrière moi, il pouvait rien faire. Bon, peut-être que le Cleveland y passait, mais le Minotaur, il pouvait se débarrasser aussi du Hindenburg. Peut-être pas facilement, mais en tout cas, ça aurait pu changer la bataille complètement. Quoi qu'il en soit, ils sont arrivés un par un, et malheureusement, j'ai détruit un par un. Malheureusement pour eux, heureusement pour moi. Ensuite, alors, voyons un petit peu. 53 000 sur les Izumo. Oui, les Izumo aussi, il a voulu faire un duel avec moi, ça s'est mal passé. Donc 37 000 points sur le Minotaur, qui a vraiment pris très cher. Hindenburg, 34 000. Très très cher. Le Cleveland 9000, bon, ça je l'ai fini. 28000 sur le North Carolina, 20000 sur le Zao. Et derrière, j'ai pas pu prendre la dernière feuille, j'ai oublié de la prendre en fait. Donc 200 000 points de dégâts. Alors j'ai tiré 184 obus, donc j'ai touché que 59, ce qui fait un ratio de moins de 33%, donc 32-31%, ce qui est moins que l'autre bataille. Mais c'est vrai que j'ai tiré souvent que sur des croiseurs et qui bougeaient tout le temps. Donc à l'Izumo, sauf l'Izumo à la fin. Donc vous voyez, je suis pas un super tireur. C'est juste que j'ai quand même un bon ratio en fait. Quand ça touche quoi. C'est-à-dire ça ravage. D'où les dévastatrices. Alors, batterie secondaire a fait 9900 points de dégâts, 55, 12000, j'ai fait 12000 en incendie, donc normal. Donc navire de guerre détruit 4, navire de guerre endommagé 4, donc 8 navires en tout endommagés et détruits. J'ai pas été visé par beaucoup de choses, donc dégâts potentiels 396 000, c'est pour ça aussi que j'ai moins d'expérience que l'épisode 3, je pense. Parce que regardez, s'il y avait eu 2 millions en plus de points de dégâts potentiels, je serais monté largement à 3000, je pense. Nos points d'expérience, nous n'exagérons pas quand même. J'avais fait 2 millions, ouais, je serais monté à 2600, 2700 comme l'autre.
Mais c'est bizarre, ces batailles sont tellement différentes. L'une a duré très longtemps, celle-là a duré, c'est une moyenne moins. Vous voyez, c'est une moyenne bataille moins. 14 minutes 26, ça n'a pas duré aussi longtemps que l'autre. Mais j'ai quand même engrangé pas mal de plus de choses, de points d'expérience et de dégâts. Donc voilà, j'ai eu de la chance d'avoir des croiseurs ennemis suicidaires. Ben, je respecte leur suicide, hein. C'est eux qui décident après tout ça, hein, après tout. Hein. Donc voilà. Alors, 46 000 points de dégâts reçus, vous voyez, j'ai pas été non plus touché trop gravement. Donc sa bataille a été tranquille pour moi et en même temps stressante d'un point de vue surprenant. C'est-à-dire que les navires m'ont surpris. Enfin, le Minotaure, je pensais vraiment qu'il allait réussir à faire quelque chose contre moi. Et donc non, heureusement. Izumo, je pensais qu'il me ferait plus mal aussi, mais non, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, et je pensais détruire le Zao à la fin, et je n'ai pas réussi. C'est dommage, j'aurais dû faire un petit Kraken. Mais bon, si vous voulez, c'est comme ça, c'est la malédiction du République. Sauf dans les prochains épisodes, petit teaser, vous verrez. Donc, passons maintenant au gain. Alors, j'ai gagné 508 000 crédits en tout, et j'ai dépensé malheureusement 4 doublons. J'avais oublié d'enlever pour le pavillon, j'ai oublié d'enlever de reprovisionnement, de pas le faire, j'ai oublié de le faire, donc j'ai perdu 4 doublons, tant pis. Donc 3617 points d'expérience reçus au final avec Equal Speed Charlie London plus 50%, Type 20 le camouflage plus 100%, bonus journée de victoire plus 50 cette fois, donc le bonus du clan plus 3%, et on arrive à 10961 et 2196 points d'expérience libre. Donc voilà, c'était l'épisode 3 et 4 des aventures du Cuirassier République. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré en tout cas les jouer, adoré les commenter et vous le présenter. Sur ce, petits amiraux et grands capitaines, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo si vous avez envie. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées pour faire des épisodes comme ça, avec des batailles un peu particulières comme on a vu là, avec de gros dégâts ou du suspense ou des événements un peu surprenants. Je privilégie surtout le rang 10 et le rang 9. Alors il me faut, pour ce genre de choses, il me faut donc deux batailles pour faire des épisodes comme ça à chaque fois. Et il me faut surtout plusieurs replays, que ce soit des défaites ou des réussites, hein, mais pas de bataille extraordinaire, où je peux extraire des destructions pour les mettre en générique. Voilà. Donc si vous avez ça sous la main, n'hésitez pas à me contacter, et puis on verra ensemble ce qu'on peut faire. Allez, ciao, rompez, petits amiraux et grands capitaines, je vous souhaite tout le bonheur possible avec vos navires.